Salut tous, je suis de retour pour une nouvelle rencontre virtuelle entre vous et moi. Et cette fois-ci, je voudrais mettre l'accent sur ce mot « virtuel » car nous serons au cœur de l'interactivité numérique à Disney Quest. Et comme toujours, mon invité spécial est tout aussi numérique que cette vidéo. Voici Ralph Lacasse du film « Les mondes de Ralph ». Disney Quest. Disney Quest se situe au Downtown Disney Springs, le mélange de Downtown Disney et Disney Springs. Au stade que c'est rendu, c'est à moitié un, c'est à moitié l'autre, on sait plus comment le nommer. Bref, je vais vous le pointer, ça va être moins compliqué. Alors, c'est juste ici sur la carte. Comme vous voyez, c'est un bâtiment de 5 étages de hauteur, démuni de fenêtres. Quant à rester près de 10 heures à l'intérieur, ben on le fait pour de bon, hein. Et dans celui-ci, on s'engouffre dans un nouvel univers. Un parc thématique et interactif intérieur. Principalement, ce n'est que des jeux vidéo qui nous sont offerts, des plus vieux aux plus récents, des jeux de plateforme, de course, de musique, de sport, de types différents, des plus simples aux plus complexes, tout y est. Mais vraiment, tout. Les plus impressionnants sont les réalités virtuelles uniques et propres à Disney. Enfin, selon mes estimations, il y aurait près de 400 bornes d'arcade, soit près de 18 Game Central Station pour t'aider, Ralph, à te le visualiser. Et oui, et comme chez les Twacks, on en a vu passer beaucoup aussi. Une autre chose qui a passé et qui continue encore est son histoire. Évidemment, c'est pour ça qu'on est ici, sinon j'aurais nommé ma chaîne tout simplement différemment. Bref, à l'origine de tout, le projet Disney Quest était une façon pour Disney de rejoindre les populations qui n'avaient pas la chance de voyager vers leur parc thématique autour de la planète. Les régions visées étaient les grandes villes de ce monde, dont la grande majorité des succursales seraient aux États-Unis. Disney a débuté ses tests de popularité le 19 juin 1998 en ouvrant le premier Disney Quest au Downtown Disney du Walt Disney World en Floride. Aussi, on avait proposé des tests dans le Downtown Disney District de Disneyland en Californie et dans le Disney Village du parc Disneyland en France. Mais faute d'espace, on s'en est tenu qu'à Disney World. Tout allait bon train, alors la compagnie a construit son premier prototype hors propriété Disney à Chicago en Illinois. Et oui, la ville natale de Walter. Personnellement, j'ai trouvé le lieu bien stratégique, situé au milieu du pays, entre son parc de Floride et de Californie, un peu plus au nord, de quoi atteindre une nouvelle clientèle. Mais faut croire que ce qui nous paraît le plus logique n'est pas toujours la bonne réponse, car le 4 septembre 2001, après 2 ans uniquement d'opération, il ferma ses portes par manque d'achalandage du public. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Juste une boutique de fourniture de chambres et de bureaux. Et c'est par cette fermeture hâtive que le projet Disney Quest se termina complètement. Les plans établis pour des aventures à Philadelphie ou Toronto ne se sont jamais concrétisés. Disney s'est seulement tenu de garder celui en Floride car les affaires allaient plutôt bien. Disney Quest est considéré complémentaire à des vacances Disney et ne valait pas le long détour selon certaines critiques de l'époque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Depuis son ouverture en 1998, Disney Quest a connu plusieurs changements, pas tant majeurs que ça, on s'entend, mais toujours intéressants à préciser. Alors voici mon petit top 3 des changements pertinents. Numéro 3. On vient de le préciser, mais c'est l'ajout des 7 machines du jeu Fixit Felix Jr. Car avant la sortie du film, on nous offrait dans ce petit espace tout juste avant la descente vers la zone de l'exploration. Rien du tout. C'était un espace complètement vide qui déformait un peu la déco et l'ambiance. Mais il faut dire par contre aussi qu'à l'ouverture de Disney Quest, il y avait une glissade nommée Cave of Wonders Slide de 46 mètres qui débutait son parcours là et finissait au premier étage à côté de la ligne d'attente des pirates. Elle a été retirée après quelques semaines d'opération, mais l'histoire ne nous dit pas pour quelle raison exactement. Alors, numéro 2. La disparition totale de Treasures of the Incas, en français, le trésor des Incas. Je sais, beaucoup de fans disent que c'est l'attraction la plus cool de Disney Quest, mais personnellement, je vois rien de palpitant là-dedans. Elle laissait place à 10 conducteurs de piloter une voiture téléguidée munie d'une caméra dans un super labyrinthe sous nos pieds pour enfin trouver le fameux trésor perdu. Ce qui me déplaît là-dedans, c'est qu'il n'y a absolument rien de pertinent dans cette activité. On vient à Disney Quest pour vivre des nouvelles expériences virtuelles ou retomber en enfance avec des jeux rétro comme Burger Time, Pangu ou Zaxxon,
Pas pour conduire une simple voiture téléguidée. En plus, ça prenait trop de place inutilement. Comparez les cartes de 1998 et 2015. Maintenant, on a le droit à des jeux beaucoup plus excitants. Et le pire là-dedans, je vous le dis, le pire, c'est qu'il a été fermé à cause de l'interférence entre les postes de pilotage et les voitures, probablement à cause des cellulaires, mais aussi attention, à cause qu'une des voitures a fini par prendre feu dans le labyrinthe sous le plancher de verre. Wow, bravo! Enfin, numéro 1. Le changement d'aventure pour Pirates of the Caribbean Battle for Buccaneer Gold. À l'origine, nous retrouvions Hercules in the Underworld où 4 joueurs incarnaient Pégase, Hercule, Meg et Phil pour récolter des éclairs de Zeus et vaincre Hadès, Pain et Panique sur le contrôle des âmes de notre monde. Cette réalité virtuelle ne semblait pas mauvaise, mais ce que nous retrouvons aujourd'hui sur la thématique des pirates est tout simplement hallucinant. Avec des thèmes et de l'inspiration prise à partir de l'attraction du Magic Kingdom, cette expérience virtuelle interactive gâte les nouveaux matelots dans une aventure immersive en haute mer. Avec un capitaine dirigeant une vraie barre, les autres invités manipulent 6 vrais canons afin de vaincre des navires pirates ennemis virtuels, des forts, des monstres marins et des squelettes fantomatiques pour se défendre et collecter autant d'or que possible dans une expérience de 5 minutes en 3D. Ah non, tête de pioche, je tiens seulement à dire que c'est l'un de mes jeux préférés. Tu sais, il y en a plein d'autres aussi. Comment? Tête de pioche? Ben non, c'est comique de t'appeler comme ça. Ah ah, tête de pioche. Ben voyons donc, qu'est-ce que tu veux démolir? Disney Quest? Ouh, attention, j'ai peur. Alors, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête! Ok, c'est beau, t'as gagné, là. Je te demande pardon, je vais te respecter maintenant. Oui, c'est beau, c'est promis. Hop, oui, ça marche. Alors, nous voilà de retour dans la réalité. Bon, ouais, en fait, c'est une vidéo, là, mais peu importe. Pour continuer, j'aimerais vous faire une petite visite des attraits valant un peu plus le détour. Par exemple, dans l'Explore Zone, en plus du jeu des pirates, nous avons le Virtual Jungle Cruise, où, à bord d'un canot gonflable, nous devons pagayer dans une rivière préhistorique en évitant les geysers, les volcans et les dinosaures. Dans la même zone, au deuxième étage, Aladdin's Magic Carpet Ride nous offre de contrôler un tapis volant dans la ville d'Agrabah et collectionner des pierres précieuses pour retrouver le génie enfoui dans la caverne aux merveilles. Dans la Create Zone, des cours de dessin par la Animation Academy nous apprend à dessiner nos personnages favoris de Disney sur écran tactile. Regardez, c'est mon premier dessin de Mickey que j'ai fait alors que j'étais à peine âgé de 10 ans. Pas mal, hein? J'ai même reçu un diplôme signé par Mickey et Minnie. Sinon, toujours au deuxième niveau, vous pouvez designer et essayer votre propre montagne russe virtuelle grâce au Cyberspace Mountain. Après avoir créé votre tour à l'intensité que vous voulez, vous montez à bord d'un simulateur au mouvement presque infini. Et parlant d'infini plus loin encore, dans la Replay Zone au troisième, nous retrouvons Buzz Lightyear's Astro Blaster. Une version améliorée des autotamponneuses car ils sont non seulement décorés en vaisseau spatial, mais ils sont équipés d'un canon tirant des boulets récupérés du sol. Chaque cible atteinte fait tourner le vaisseau ennemi sur lui-même pendant quelques secondes. Ensuite, dans la Score Zone, nous avons le droit aux jeux les plus compétitifs qu'ils soient. Premièrement, le Mighty Duck Spinball Slam. Chaque joueur devient une bille virtuelle dans une immense machine à boules où nous devons marquer le plus de buts en se déplaçant pour gagner. Aussi, une rangée de 12 bornes d'arcade de course NASCAR permet une féroce rivalité amicale entre amis ou même avec des gens inconnus qui deviendront rapidement complices.
Finalement, au dernier étage, l'Extraterrestrial Alien Encounter permet à 4 joueurs d'habiter un véhicule de rescousse pour sauver des astronautes colonisant une planète peuplée d'extraterrestres. Cette aventure a été inspirée de l'ancienne attraction du Magic Kingdom, l'Extraterrestrial Alien Encounter, l'ancêtre du Stitch Great Escape. Ah oui, c'est vrai, merci. Pour prendre une pause et se déconnecter de cette réalité virtuelle, vous pouvez manger de la vraie nourriture de gamer au restaurant service rapide FoodQuest, c'est-à-dire des cheeseburgers, des BLT au poulet, des flatbreads, des salades ou des wraps. Et pour dessert, nous avons des cupcakes, des brownies, de la crème glacée et plus encore. Aussi, vous l'aurez deviné, je ne vous garantis pas qu'ils seront aussi appétissants de ce que vous voyez présentement, car ceux-là le sont abusivement trop. Si j'avais l'occasion présentement de lécher mon écran, je le ferais. Mais ouais, j'aurais l'air totalement cinglé devant les gens autour de moi, alors je pense que je vais m'abstenir. Non, là, pas tout le temps, c'est variable. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que Disney Quest vous plaît ou vous plaira autant que moi. C'est une très bonne alternative pour une journée bien remplie à l'extérieur des quatre principaux parcs ou par temps pluvieux. Si vous avez des questions ou des suggestions pour des futurs épisodes, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ça me ferait plaisir. J'espère et je crois que Disney Quest est là pour rester. Évidemment, là. Bye tout le monde. Turbotastique. Oh non, pas pour vrai. Turbotastique.